Great St. Bernard Pass is one of the most famous parts of Switzerland. It has an extremely rich history. Its hospice has stood here for over 1,000 years, and pilgrims continue to head here from Canterbury on their way to Rome. The St. Bernard dogs are a big draw for tourists who can walk with them during the summer months. And from here, you can head into the Valle d'Aosta region of Italy, best known for the ski resorts of Courmayeur and Cervinia. Anyone with a Four Valleys season pass can also ski here for free. Aurelio Margareta is the tourism minister for Aosta. He says the region offers tourists the possibility to visit three countries and three cultures around one stunning mountain range. Ce lieu, c'est un lieu où on a la possibilité aussi de développer le côté spirituel de l'individu. Quand on est au col du Grand Saint-Bernard, on est obligé à penser à quelque chose de grand. Il y a des bons rapports aussi entre Verbier et les vallées du Grand Saint-Bernard, parce qu'il y a beaucoup de guides de montagne, plutôt que de clients, qui viennent chez nous faire hors-piste. Aujourd'hui, avec une offre globalisée, et donc, nous avons la possibilité, avec nos ordinateurs, d'avoir disons, la possibilité d'aller n'importe où, aller à la mer plutôt qu'aux Caraïbes. Plutôt que... Alors, on doit avoir des offres très, très spéciales. Et nous avons la possibilité de le faire. Parce que dans une heure, nous pouvons exploiter toutes les possibilités de la culture française, de la culture valaisanne, de la culture suisse et la culture valdôtaine, de la culture italienne. Nous avons la possibilité de bâtir autour du Mont Blanc, du Grand Saint-Bernard, du Grand Combin, du Matteron, du Cervino, du Grand Paradis, les montagnes, les plus belles montagnes des Alpes, les plus hautes montagnes des Alpes, une offre extraordinaire avec un environnement exceptionnel. Mais avec des cultures si importantes qui sont la base de la culture alpine, qui, pour quelqu'un qui veut connaître, ne peut pas éviter.